Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ce sera une petite vidéo dans ma balle, hein, parce que ben, j'ai encore pas fait grand-chose, hein. Donc voilà, une petite vidéo pour remercier Sylvie de la chaîne Scrapsil de son envoi. C'était pour un échange d'ATC, hein. J'avais envoyé quelques découpes et elle m'a envoyé, voyez, elle m'a envoyé sa bobine altérée qu'elle a fait en tuto, hein. Très jolie, hein. Elle va décorer ma pièce, hein, Je n'ai jamais fait, hein. Je vous avoue, j'ai jamais fait. Je ne fais pas beaucoup de déco en scrap, hein. Mais j'aime bien, hein. C'est très joli. Voilà, donc là, elle m'a fait l'échange ATC dans une pochette qu'elle a fait en tuto aussi. Donc, une pince à linge, je crois qu'elle a fait un tuto aussi, avec une petite cage d'oiseau, petite fleur. Là, c'est un embellissement maison qu'elle a fait elle-même, hein, qu'elle a mis en tuto aussi. Donc, l'ATC. Voilà, donc c'est fond de mer, hein, c'est le 3 sur 7, hein, avec, je pense que c'est des tamponnages. Voilà. Elle a joint donc un tag avec le petit mot et avec une découpe ronde dessus, les deux ancrés en bleu, hein, avec une tongue dessus, hein, pour les vacances. Voilà. Dans la petite boîte, elle m'a offert des tongs, donc super sympa. Pour faire les trucs d'été, ce sera super. Un porte-clés Gorgeous. Alors ça, je vais aller le mettre sur mon trousseau. Hein. Voilà, très joli. Voilà. Et là, elle a fait sur la pochette une capsule altérée de Gorgeous. Je ne vais même pas la défaire. Hein. Je vais la laisser comme ça. Je trouve que ça fait super joli. Voilà. Merci Sylvie. Hein. Donc là, elle avait joint à son envoi le carnet de l'amitié de Sophie Scrap. Hein. Je vous le montre. J'ai fait ma page, je vous la montre après. Hein. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai reçu de Nadine pour notre échange ATC de juillet. Grenadine. Hein. Donc elle m'a offert une très belle carte. Hein. J'aime bien. C'est beau. Hein. En plus, on a l'impression que c'est imprimé sur du papier photo. Ça brille et tout. J'aime bien le. Petite dame là, avec le petit mot à l'intérieur, dans une très belle enveloppe qu'elle a fait elle-même. Hein. Voilà. Donc l'ATC. L'ATC, bah, très beau aussi. Hein. De toute façon, l'image est super là. Voilà, donc c'est le 1 sur 1, spécial Domi Vintage. Spécial pour moi, hein, vous avez vu. Donc très beau. Hein. Voilà. Donc elle avait joint à son envoi un paper clip. Hein. J'adore, il est super beau. Hein. Oh, avec la dame, là, ça fait très beau. Hein. Non, super beau. Hein. Les petites fleurs. J'aime bien. Hein. Franchement, super beau. Pareil, la décoration dans ma pièce. Hein. Elle avait joint un petit sachet. Bon, je vais déballer. Hein. C'était avec du beau papier. Mais je vais peut-être le garder parce que je voyais les tours Eiffel. Ça peut servir. Je vais le ranger précieusement. Donc. Elle m'a offert plein de cadeaux, hein. Elle n'aurait pas dû. Hein. Donc des embellissements en bois, donc très sympa, j'aime bien. Voilà. Des emerald dots 100 euros, hein. Ils sont belles les couleurs, j'adore les couleurs. Hein. Super. Des petits tags, beau aussi, j'aime bien. J'en ai pas beaucoup de ça. Des plumes en bois, voilà. Et un tampon Gorgeous. Alors là. Tu m'as vraiment gâtée. Hein. Elle est super beau en plus, voyez, regardez. Pour les trucs de mer, elle écoute un coquillage. Je trouve que c'est super beau. Voilà. Elle avait joint aussi. Alors ça, j'adore. Je vais vous le montrer, mais j'adore. Une belle boîte hein, qu'elle m'a faite. Hein. Donc voilà. On l'ouvre comme ceci. Avec une belle perfo en bordure. Hein. Comme ça. Et là, elle m'a fait un. Oh, je vais le mettre en décoration aussi dans ma pièce. Parce que c'est super beau. Hein. Regardez, c'est un range ATC. Alors là, comme ça, je vais ressortir tous ces ATC, je vais les mettre dedans. Ce sera exclusivement réservé aux ATC de Nadine. Voilà, là, alors là, on refait un ATC, hein, la Belle Vita. Pareil, spécial Domi. Hein. Super beau. Et alors la boîte, le truc là, oh, magnifique. Hein. Je pense que c'est en bois ça. La petite dame là. Ah, les petits papillons, qu'est-ce qu'ils sont beaux aussi. Une tour Eiffel. C'est magnifique. J'adore. Vous voyez, je vais les ranger là-dedans. Je vais les ranger dedans, vous voyez. Là, j'ai deux. Je vais ressortir les autres. Là, il va être vite plein. Hein.
mais bon, c'est pas grave, je trouve ça super beau. Vous voyez, elle m'a aussi offert, alors oui, c'est même pas fini, elle m'a offert, alors elle m'a fait plein d'enveloppes, hein, voilà, avec des découpes, hein, donc là, c'est une dame, elle a fait les enveloppes elle-même, hein, une dame finement, regardez comme c'est tout fin, c'est... Oh, j'ai pas de découpe comme ça. Hein. Donc je vais les garder précieusement dans les enveloppes parce que je voudrais pas qu'ils s'abîment. Si je les mets ailleurs, ils vont se mélanger. Là, il y en a d'autres là. Regardez. Hop. Une comme ça. Regardez comme elle est belle, celle-là. Celle-là aussi. Il faut les coloriser et tout. Je vais voir ce que je vais faire avec. Très sympa. Hein. Dis donc, j'adore. Hein. Regardez celle-là. Puis en plus, j'en ai pas. Alors, on peut pas. Et là, il y en a deux. Regardez. Super belle. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. Voilà. Donc, elle m'a aussi fait. Alors là, plein de découpes sur Paris. Ben, j'ai rien du tout sur Paris. Hein. Vous voyez, les tours Eiffel. Donc là, attention, le mot Paris avec une tour Eiffel. On en a fait plusieurs. Hein. Regardez, c'est beau ça. Super beau. Là, c'est des timbres. Là, c'est les... avec la tour Eiffel, ça va avec le timbre. Voilà. Et des tours Eiffel. Regardez, elles sont belles. C'est la même que sur la boîte. Super, hein. Ben, j'en ai pas, vous voyez. Donc là, alors une autre dame aussi qu'elle m'a mis dans une autre enveloppe. Alors celle-là, pareil. Ah, c'est tout fin, tout fin, tout fin. Regardez, elle est assise à une table, elle va boire son café. Hein. Et j'ai vu que dans la petite enveloppe, elle m'a mis les tasses, les verres. Donc ben, je les laisse dedans parce que, à mon avis, je vais les perdre sinon. Vous voyez, c'est tellement petit que voilà, elle avait joint ça. Super beau, hein, franchement. Et elle m'a, dans l'autre enveloppe, elle m'a mis des papillons boutons. Oui, ils vont rester sur la carte. Hein. C'est trop beau. Là, je sais pas ce que c'est. On dirait des. C'est en métal. Je sais pas, c'est vraiment beau. Les deux beaux petits tags là. Ils vont rester comme ça. Hein. Je vais les mettre en. Dans ma pièce, ils vont rester comme ça. Voilà, ben, je te remercie Nadine, hein, tu m'as trop gâtée, hein, c'est super beau, hein, j'adore. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer ma page que j'ai réalisée sur le carnet de voyage. Hein. Donc voilà. Bon. Là, c'est celle que Sylvie a faite. Je vous montre hein, le livre, hein. Super beau. Hein. Voilà, bienvenue au Savary de pauvre. Là, la ville d'Orléans. Là, c'est Agnès Louiset, Le Havre. Agnès Louiset, elle en a écrit. Hein. Bon, j'en ai pas écrit autant. Hein. Donc là, c'est Soissons. Je connais un peu Soissons, j'ai déjà passé à Soissons. Donc voilà, là, c'est... Les marais salants de Guérande, hein. C'est Sylvie, Scrapsil, qui a fait ces deux pages. Et voici les miennes. Voilà, donc là j'ai utilisé, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai utilisé. Hein. J'ai utilisé du papier, vous savez, de chez Action, là, un petit peu avec des petites structures. J'ai mis dessus, j'ai saupoudré un petit peu de Magic Pan de chez FDECO, alors gold, de Gold et de Blue. Et j'ai mis... avec de l'eau, hein, j'ai aspergé. Donc mes feuilles gondolaient. Donc du coup, je les ai repassées à l'envers. Du coup, bah, ça, du coup, ça, après, ça, c'était bien plat. Hein. Donc j'ai mis quelques documentations d'Évreux. Hein. Évreux, la ville, on habite à 15 km d'Évreux. Hein. Donc voilà. C'est une ville où, à visiter. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la cathédrale, il y a un musée. Après, on peut faire. Des petites promenades où il y a beaucoup de marches à monter et tout. Voilà, donc j'ai décoré mes pages avec
des feuillages, des oiseaux, des fleurs. Alors ça, c'est, j'ai fait ça. Ça, c'est mes chouchous du moment que je me suis acheté chez AliExpress. Hein, je vais vous les montrer. Je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc, vous avez, c'est des fleurs sur calque. Donc, là, c'est en noir et blanc. Hein, c'était les noirs et blancs. C'est sur calque. Hein, vous avez une pellicule à enlever et c'est autocollant. Et on ne voit pas que c'est du calque. Hein, vous voyez, c'est, on a l'impression que. Voilà. Donc là, j'en ai pris aussi en couleur. Voilà. Et j'ai même su même acheter. J'ai vu, ils vendaient des dames aussi, là. Comment que ça s'appelle ça? Il y en a sur les papiers de chez Graphique 45 de ces dames-là. Et je trouvais que c'était super sympa. Vous voyez? Alors ça, c'est du calque, hein, vous enlevez et après ça, vous collez. Je trouve que c'est impeccable. Voilà. Donc je me suis acheté ça. Et là, j'ai mis un bout de négatif transparent, hein. J'ai acheté ça il y a très 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 longtemps. Hein. C'est de la marque Bobuni. Hein. Vous voyez, j'ai encore un rouleau de. C'est sur Noël celui-là. Et je me suis dit, tiens, ça irait bien là. Donc du coup, j'en ai mis alors. Après, j'ai fait quelques tamponnages. Hein. Les hirondelles ont été tamponnées. Là, il y a un peu de tamponnage. Là aussi. Donc je vais essayer de faire un petit fond pour que ça fasse pas trop mal. Hein. J'espère que ça plaira à Sophie. Hein. Voilà, bon, c'est pareil, j'ai pas écrit grand-chose. Hein. Je suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup. Hein. J'ai horreur d'écrire. Voilà, bah écoutez, voyez-vous, donc je vais essayer de ne pas l'envoyer trop tard. Hein, pour que la personne le reçoive rapidement. Je vais déjà lui envoyer un mail. Et puis, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.